kasta waxa ay ni rajaynaynaa sanad guur wanaagsan baa in leenahay meel kasto aad ku sugatan sida aad ula socotaan sawiradaasi kala duwan waa kooxdii gacan macaan ayaad arkaysaan markana waxa ay nagu wareejini doonaa sabadka madaxtooyada halkaasi oo xaflad aad u weyn sanad walba lagu qabto waxaan jeclahay wariyaasha goobtaasi ku sugan inaan markan ku wareejiyo mikrofoonka waa tahay daawadayaal sida aad ula socotaan baa sawirkaasi madaxweynihii dalka ayaa waa tahay sidaad ula socotaanba madaxweynihii ayaa madasha soo galay oo salaamayo salaan sharaf ka qaatay kooxaha kala duwan ee halkaasi iyagu ka heesi doonaa dabcan waxa uu salaan sharaf ka qaadani doonaa martida aadka u sharafta badan ee goobtaasi soo camirta iyo dabcan shacabka reer jabuuti kolen aad baa u tiro badan tahaan ood na daawanaysaan waxaan filayaa in aan mar kale si toosa aynaigu gudbini doono oo heesahaasi dadkooga bal sawiradahana
jiray allaayga dhoofiyo geesiyaal baaw dhinto geesiyaal baaw dhinto tukii hooyaanaho dhimiiraay bulamaano eemakaya lulkiyo koronelka ciidanka booliiska koronel cumar xasan
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse fête nationale. Des valeurs de paix, d'égalité, de solidarité et de justice. Cette journée, c'est également l'occasion pour nous serein, sécurisant et radieux pour chaque enfant de la République. Un avenir que nous, générations présentes, œuvrons à édifier en additionnant les efforts, les énergies, les singularités, les solidarités et toutes ces choses qui rendent si belle cette nation et font que nous nous dressions aujourd'hui fiers et fort. Mesdames et messieurs, l'expérience de la souveraineté a été et demeure un combat de longue haleine qui nécessite une vigilance de toute la société et appelle de la part de tout un chacun un don de soi permanent. Au lendemain de la décolonisation, le peuple djiboutien a été réactif en prenant rapidement la pleine mesure de ses responsabilités.
avec une conscience aiguë de sa contribution à l'avancement de notre pays. Ce Djibouti moderne qui se dessine sous nos yeux et dont nous sommes aujourd'hui si fiers doit donc beaucoup à son peuple et au choix éclairé des pères fondateurs pour relever le défi de la souveraineté. Relever le défi de la souveraineté, ce fut d'abord avoir appris le sens de l'État dans un contexte régional abrasif marqué par le conflit de l'Ogaden. C'était en 1977. Il faudra 2 années et puis des centaines de milliers de morts et de déplacés. Le défi de la souveraineté, ce fut encore d'avoir lutté pour la sauvegarde de la concorde nationale. Notre histoire retiendra la date symbolique du 4 mars 1979 qui, à l'initiative du président Gouled, appelant à la pacification des cœurs et des esprits de la classe politique djiboutienne, c'est là l'unité nationale dans la ville mythique de Dikil. Mais encore, c'est d'avoir construit à partir de rien les soubassements d'un État fonctionnel dans un pays sans infrastructure, sans éducation, sans système social. Malgré les aléas des conjonctures difficiles, par le travail, nous y sommes parvenus. Par notre volonté, nous avons réussi à engendrer, à partir de rien, à sortir de l'improbable et des frustrations du quotidien, les ambitions les plus grandes pour la patrie. Mesdames et messieurs, les chiffres de notre indépendance réelle sont là pour témoigner des acquis de la République qui, en 1977, était contrainte de se suffire avec un lycée unique, un hôpital qui n'avait de général que de nom, un petit port réservé au commerce éculé du sel et du bétail, une route nationale résumant l'axe de communication nord-sud, une ligne de chemin de fer, locomotive archaïque d'une économie inexistante. Ce que nous avons fait, c'est briser ce qui semblait être les carcans à notre développement et qui réprimait la soif d'expansion de notre peuple sur son propre territoire. Ce que nous avons fait, c'est d'engager le pays dans de vastes programmes pour asseoir les bases d'un essor devant le maître au diapason et au rythme du progrès dans le monde. Ce que nous avons fait, c'est purger patiemment les déficits à travers la mise en place de plans de restructuration drastiques, secteur après secteur. Nous avons travaillé dur pour la relance économique qui a permis la mise en œuvre de nombreux programmes de développement, d'infrastructures, d'amélioration des conditions et du cadre de vie de nos concitoyens. À travers une politique volontariste de démocratisation du savoir, nous avons multiplié le nombre d'établissements scolaires pour favoriser l'égalité des chances parmi nos élèves, forger la compétence et permettre la relève. Le droit à la santé a été conforté par la mise en place d'une carte sanitaire qui s'étoffe de jour en jour, avec un foisonnement des postes et des centres de santé communautaires, des hôpitaux régionaux ainsi que des centres hospitaliers de référence. Le profil économique a été remanié au fur et à mesure que nous prenions de l'assurance quant au potentiel géostratégique de notre pays. Ainsi, si le port de Doralé a signé le renouveau économique de Djibouti, notre appétence d'un hub logistique et de plateforme du commerce mondial a initié de nouveaux projets de construction portuaire de grande envergure, ainsi que le développement routier, ferroviaire, aéroportuaire pour une solution logistique terre-mer-air
pour relier l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Les investissements qui sous-tendent ces projets sont bien évidemment des investissements colossaux que nous avons réussi à lever grâce à la confiance de nos partenaires, mais surtout grâce au nouveau visage de la diplomatie djiboutienne que nous avons voulu proactive et orientée vers les affaires. Ces investissements, nous devons les percevoir avant tout comme étant des investissements d'avenir qui nous aideront à garder le cap du développement et du progrès. Des investissements d'avenir qui doivent non seulement assurer un avenir économique radieux à la nation, mais surtout profiter aux femmes et aux hommes de ces pays. Il est donc attendu que la population participe avec cœur, aux côtés de son gouvernement, à la réalisation de ces investissements qui aideront non seulement à la transformation des territoires dans lesquels ils vivent, mais fourniront aussi des emplois nécessaires pour leur épanouissement personnel. La sève coule donc sous l'écorce. Mais, mes chers compatriotes, vive et fluide, les premiers fruits de notre labeur, nous les touchons déjà du doigt. Cependant, cet effort n'a de sens que s'il s'accompagne d'un mouvement de solidarité collectif à l'endroit de nos compatriotes les plus fragilisés. Cette solidarité, c'est avant tout un devoir que l'État a envers ses concitoyens, mais aussi et surtout une responsabilité que chacun d'entre nous a envers son concitoyen. Nous devons nous définir quels citoyens nous sommes, définir notre amour de la patrie par la façon dont nous tenons compte les uns des autres, par notre capacité à donner de soi, à rendre à la nation ce qu'elle nous a apporté. La solidarité n'est pas un concept. Elle ne peut être réduite à l'entraide occasionnelle ou l'empathie envers les plus faibles. Son sens absolu est celui d'une solidarité profonde et sincère dans notre destinée commune. La cohésion sociale est le ferment de notre identité nationale. Rien ni personne ne devra donc la remettre en cause. Mes chers compatriotes, au lendemain de notre indépendance, jusqu'à ce jour, notre plus grande réussite est d'avoir su faire mentir tous les mauvais présages qui nous disaient à la merci des conflits et des mésententes. Cette victoire est née de notre cohésion dans la diversité. Notre pluralité, nous en avons fait notre plus grande force, celle qui nous a permis de bâtir une nation. C'est pourquoi, même dans les moments de divergence politique, notre stratégie sera toujours de privilégier le dialogue, car il y aura toujours plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous séparent. Nous le savons mieux que d'autres. Lorsque le tissu national se délite, le chemin vers la reconstruction est semé d'embûches. D'ailleurs, nous nous réjouissons de voir la Somalie retrouver la paix et le chemin du développement. En effet, des progrès significatifs ont été réalisés. Et ceci grâce aux efforts conjugués du peuple frère somalien à travers ses différents gouvernements. Toutefois, malgré une reconnaissance de la communauté internationale, la Somalie est toujours menacée par l'insécurité et l'instabilité. Il est grand temps que la communauté internationale fournisse à ses pays frères l'aide et l'assistance qui lui permettront de se doter
de ses propres forces de sécurité. Mesdames et messieurs, la paix, la stabilité et l'unité ne paraissent être les conditions de base, mais paraissent être les conditions de base pour entretenir dans notre région un courant d'échanges permanents et de dialogues sur le plan politique, gage de notre cohésion. Le continent africain dans son ensemble est certes aujourd'hui comme le continent de l'avenir. Toutefois, seule la réalisation effective de l'intégration économique qui passe par la mise en place des infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportières et routières, ainsi que les infrastructures énergétiques et de télécommunications destinées à relier nos peuples et nos économies, peut véhiculer le développement de notre continent. À ce titre, Djibouti, pays membre fondateur du COMESA et pays hôte du siège de l'IGAD, joue pleinement son rôle en vue de l'accélération de l'intégration régionale. J'ai saisi cette occasion pour réaffirmer que nous devons renforcer les activités et le fonctionnement de nos organisations régionales car elles constituent la cheville ouvrière d'une bonne intégration régionale. Enfin, je ne saurais terminer ce discours sans rappeler encore une fois les conditions intenables et inhumaines dans lesquelles vivent nos frères palestiniens et la situation dramatique qui prévaut toujours en Palestine. L'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le conflit israélo-palestinien et l'entêtement du gouvernement israélien à poursuivre la colonisation détruisent tout espoir de trouver un jour une solution pacifique à ce conflit. Il nous incombe donc de trouver une solution à cette tragédie. J'exhorte la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre définitivement un terme aux souffrances de ce peuple frère. Vive l'indépendance nationale, vive la République d'Égypte. Manta wa malin alla weyne aad noogu weyn intii joogtay 77-kii iyo intii dabadeed dhalatayba ayaantani ayaan nagu weyn wey waa ayaantii gubanimadeenna wey ayaantii qaranimadeenna wey ayaantii gumaysbaxa wey ayaantii xornimada wey xasuusteedu inay qalbigeenna mar walba ay ku jirto ayaa waajib nagu ah ilaa xalay dabaldega si wanaagsan baan ayaad ula socoteen ama aad uga qayb gasheen waxaan jeclahay munaasabadan inaan hambalyo gaar aan u soo jeediyo radioga iyo televisionga Djibouti madaxdeeda iyo shaqaalaheeda labadaba sida ay agar la'aan dadka u soo gaarsiiyeen waddanka dhammaantii wixii ka dhacayay dabaaldeg inay si wanaagsan ay dadkeena u tuseen ula ciideen u soo baahiyeen warbaahintana televisyon iyo radioba si wanaagsan ay ugu soo tabiyeen waxaan leenahay hambali waxaan isleeyahay doorashadii noogu dambaysay markii aan ka soo baxnay waxaa nagu bilaabmay xoogaa qalalaasa mucaaradka oo iska diiday natiijooyinkii 10 sano isaga oo ka maqan doorashada isaga oo meedaanka ka maqan ayuu haddana yidhi maantana iweykan maantana waan cadhoonaya inuu sii cadhoonayana waa sii garanaynaba
kolka waxa de aad la socotaan oo dhacay maalin khamiis iyo maalin jimca iyo magaranaysaa ee sawirro yar yar soo qaado oo wari taswiir ba xageed geynaysaa Facebook aan ku ridayay waxaan u geynayaa Twitter maxay baan u geynayaa bon de waxaasi wax dalka wax u tarayna maaha nabadna keenaya maaha colaadna sii abuuraya weeyaan maxaa yeelay dowladdu hawsheeda way iska qabsanaysaa dalkana 60 sano ayuu xor yahay boje xor waxa uu yahay maxay la yidhaahdaayay Faranji iyo dowlado kale iyo dadka iminka laleeyahayna arkaan way noo soo socdaan way qaban doonaan maxay bay ku samayn doonaan been iyo balaayo wey been iyo balaayo waxa waan ku xoroonay bari hore marka nabadda annaga jecel annaga ayaa doorayna wadahadalka annaga ayaa nidi kaalaya annaga ayaa iminkana la kaalay aan wadahadalno annaga leh walaalnimadu waxay ku jirtaa wadahadalka aan wadahadalno waa aan heshiinno wey saasaan aqaanaano waxaase muuqata in ay dadkani ku dhex jiraan dad aanan nabadda doonin dad aanan is-aragga doonin dad aanan wadaninimadu aanay meelo kale looga suul dhawaanaynay anigu ma garanayo laakiin waxaanse filaya in soo noqday caqligii inuu soo noqdo yaanu maleynaya waxaan rajaynaynaa inaan daraar dhow aan wada hadalno haddii wararka aan helaynay ay sax yihiin inaan arrimaheenna horey baan u dagaalannay horey ayaanu dagaalannay dhiig baan daadinay walaalaha islaay Faranji meel kastaba uu soo maray inuu na soo dhexgalo anaani dhexdhexaadinayna waan iska diidnay annaga unba dhammaysan annaga unba dhammaysan annaga heshiiskii xidhnay tan ka daran ayay ahayd waanan xidhi karnaa nabaddaas diyaarna waanu nahay xuskaa gobonnimada ayaan ku soo noqonaya inaan dee halkaa aan ku kala tagno annaga oonan dadkii gobonnimada u dhintay dadkii u gurya beel dadkii u dhaawacmay dadkii u naafoobay annagoonan xasuusanin oon faatixada u marin intii dhimatay ayaan ni weydiisanayna xasuustaas mar walba inaan xasuusta ahayno ciyaalkeenna caruurteenna aan ku barbaarinno aan xasuusinno waajibkeenna wey annagu waxaan ku jirnaa kuwa sii socda kuwan iminkana daba socday inay naga reebaan ayaguna ayaan doonaynaa waxaan doonaynaa waddankeennaasi inuu waddadiisa ku joogo horumarkiisa ku tallaabsado nabad buu baahan yahay xasilooni buu baahan yahay midnimo u baahan yahay intaba waan awoodi karnaa sidaan waqtigan waqti ka xun aanu awoodno waxaan idinkaga tagayaa sanad wanaagsan ciid wanaagsan dalkeennu ha noolaado ummaddeennu ha noolaato assalaamu calaykum waraxmatullah